On est ici à Tadoussac, déjà à la base. Sur le site qu'on a créé, moi et Mireille, le restaurant en arrière de nous, c'est le restaurant chez Mathilde, qui fait une fine cuisine créative. À côté, on a le Mathilde Express, qui fait comme plus un volet de restauration rapide. Puis à côté, on a le Café Gelateria Camille Lacrème, qui fait la conception de notre propre crème glacée. On est allé en Italie pour apprendre à faire la gelato. On essaie le plus possible de, dès qu'on touche à quelque chose, on fait un nouveau volet ou on fait une transformation, qu'on part de zéro puis on le fait nous autres mêmes. J'ai eu deux passions toute ma vie, c'est la musique puis la bouffe. J'ai vécu une partie de ma vie professionnellement en musique. Puis je faisais beaucoup de bouffe chez nous. Puis les amis disaient tout le temps, « Ah, tu dois avoir un restaurant à un moment donné. » Puis c'est drôle, hein? Puis jamais j'aurais pu imaginer ça. Mais je me disais tout le temps, « Oui, peut-être, peut-être. » Tu sais, je veux dire, tout le côté de la bouffe, tu sais, les saveurs, ça m'a tout le temps fait rêver. Puis quand est venu à un moment donné que j'ai pris la décision que c'était fini pour moi, la musique, je voulais m'orienter vers d'autres choses, bien, je travaillais déjà en restauration. Puis on s'est dit, ça serait vraiment le fun d'avoir notre propre place. Au début, on pensait à une auberge, restaurant. Mais moi, à la base, je n'étais pas supposé d'être en cuisine. Qu'on ait décidé de partir aux îles, puis on est allé voir la plus grande chef des îles, qu'on voulait aller travailler là. On dit, on est primé, on a notre projet. Moi, j'avais déjà fait les menus. Même si je n'étais pas dans la cuisine, c'était moi qui avais conçu le menu. Puis c'est là que notre vie a changé. En fait, ma vie a changé. Mireille, on s'en va la rencontrer, Joanne. Puis elle a dit, de la façon que vous me parlez, là, elle a dit, toi, Jean, il faut que tu sois dans la cuisine. Moi, j'ai tout le temps été en service parce que j'aimais la discussion avec les gens. J'aimais expliquer, tu sais, de mettre là, puis dire, ah, puis j'étais toujours dans la cuisine. Ah, le chef a fait ça avec ça, c'est comme une émulsion au beurre. Puis après ça, la tomate cerise, elle a été sautée, confite, bon, blablabla. Puis je vais toujours me rappeler mon premier chiffre. C'est là que tout s'est passé. Le changement, tu sais, le changement de ma vie. Je pensais, là, j'arrivais, je me disais, je vais sauter par-dessus le comptoir, puis je vais aller servir, je vais aller faire mon show, puis tout le kit, tu sais. Puis il s'est passé de quoi en dedans de moi, là? On dirait que ça s'est mis à bouillir. Ça s'est... J'étais en arrière dans la cuisine, là, puis c'était comme si je venais de comprendre le pourquoi j'étais né. Ça s'est mis... Il y a comme une transformation. Je me suis dit, c'est pour ça que je suis venu au monde, pour faire de la cuisine. Puis quand je suis revenu, j'étais primé. C'était clair, net et précis que c'était moi qui prenais les rênes de mon restaurant. Dès qu'on a commencé, c'était une cuisine sans compromis. Il n'y avait pas de... Je savais qu'on prenait à cette époque-là, maintenant ça n'existe plus. Je prenais du bœuf, une super qualité de bœuf, du charolais qui venait de Sacré-Cœur, un passionné, que la viande venait de là. Que quelqu'un qui venait et qui me disait, moi je vais avoir mon contre-filet qui a été vieilli pendant 21 jours. Je veux l'avoir bien cuit avec la sauce à part, c'était non. Pourquoi qu'on décide d'aller à manger au restaurant? C'est pour vivre une expérience, pour créer un engouement, pour créer un souvenir, pour créer, tu sais, que tu aies une euphorie, tu sais. Nous, ça avait 25 ans d'histoire. C'était une patate frite ici avant. Que nous, quand on a changé, on a tout fait la transformation tout de suite, les tables, tu sais, le plancher, tu sais, toute la cuisine. Mais au début, le monde se revirait de bord, là, parce qu'il arrivait et il disait, moi, je veux manger des patates frites, ça, tu sais. Puis en plus, moi, j'avais enrayé. Même le jour, à cette époque-là, les deux premières années, il n'y avait pas de patates frites. Je voulais tuer ce que c'était avant pour arriver. Mathilde est revenue. Là, Mireille, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Je l'ai rencontrée quand j'étais musicien, quand on était en processus d'acheter puis de vouloir monter notre projet. Mais on était en processus aussi d'avoir avoir des enfants. Puis là, bien... on s'est dit, hey, si on avait des petites filles, là, comment qu'on les appellerait? T'sais? Puis il y a eu Mathilde qui est arrivée, puis après, il y avait Camille. Puis là, au début, on s'est dit, ah, c'est Camille, pour le restaurant. T'sais. Mais là, Camille, ça marche pas. Ça fait poignée. T'sais, on va aller manger chez Camille, ça fait une grande table, les nappes avec les ridelles, ça fait poignée. C'est pas ça qu'on voulait. Nous, on veut chez Mathilde. Oh, attends une minute, chez Mathilde? Ou chez Mathilde, ça fait comme... Ah, petite fille... Tu sais, quand on imagine les personnages, Mathilde, ça fait comme distingué, mais un petit peu rebelle, tu sais. C'est ça qu'on voulait. On voulait de la fine cuisine dans une ambiance, un peu de brasserie où qu'on parle fort, tu sais. Puis il y avait surtout le côté de Jacques Brel, tu sais, la chanson, là. « Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut, Mathilde est revenue. » Tu sais, toute l'intensité, c'est ça qu'on voulait. Quand j'ai découvert Jacques Brel, je me suis dit...
Non, il faut que j'arrête la musique. J'arriverai jamais à cette intensité-là. Jamais. Mais je me suis dit, je vais travailler la cuisine comme Jacques Brel, tu sais, dans son intensité intense. Puis tu sais qu'est-ce qui est le plus drôle? Ça me rappelle ça en parlant de Jacques Brel. L'année passée, Juliette Gréco est venue jouer au Festival de la chanson. Puis elle est venue jouer avec Gérard Joannès, qui est son mari. Je savais pas que c'était son mari, mais Gérard Joannès, c'était le compositeur, arrangeur de Jacques Brel, t'imagines? Puis là, on avait appris que Juliette Gréco venait souper chez Mathilde. Madame Gréco venait manger chez Mathilde. T'sais, là, nous autres, on capotait, c'est assez trippant. Puis là, en fin de compte, est arrivé ce qui est arrivé. Juliette, elle a eu un malaise, puis elle n'a pas pu finir son spectacle. Mais Gérard Joannès est venu. Puis il était assis à sa terrasse-là. Là, j'en ai des frissons juste à... Puis là, il est malade, là. C'est un pianiste. Moi, j'avais vu le spectacle de Juliette Gréco, puis... Pour moi, c'est un monstre, même si c'était un monstre arrière, tu sais, de Jacques Brel, tu sais. Mais... Puis là, on commence à jaser l'histoire, puis je me mets à chanter la chanson. Puis je vais toujours me souvenir, là, l'image, c'est comme levé, là. Puis quand j'ai eu fini, j'ai pas tout chanté la chanson, j'ai chanté comme 3-4 couplets. Puis là, il a fait comme un enfant, il a dit, c'est moi qui l'ai enregistré, cette tune-là. Je capotais, là, j'avais les frissons. Là. Je le sais, j'ai pris par les mains. T'imagines, il a rencontré Jacques Brel, il a travaillé avec. Je suis comme, wow! Là, j'ai rencontré Gérard Joannès. Là, c'est comme, malade. Mais c'est ça, toujours rester, comme on disait, dans le côté, l'importance de la musique. C'était créatif. C'est un art, mais c'est la même chose que c'est important pour moi de toujours créer des nouveaux plats, jamais stagner. On a un menu de base, puis on ramène toujours des nouvelles affaires, tu sais. Puis nous, ici, chez Mathilde, on est deux à faire la charcuterie. C'est moi puis Alexandre. Depuis le début, on a fait ça ensemble. Nous autres, on a joué dans un band, on était signé avec une compagnie de 10, on faisait juste la tournée, on tournait tout le temps, là. Ça s'appelait Saïd et les Fous du Roi. C'était dans le sens que c'était un band que ça n'a pas si levé que tant que ça, mais je veux dire, on a joué à radio, on avait un disque. C'est à l'époque des Colocs, Zébulon. Écoute, à cette époque-là, tu sais. En fait, on continue à faire la musique, mais il n'y a plus d'instruments de musique, mais on continue à faire plaisir aux gens, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça reste la création, pareil. Ouais, puis ça reste de l'art. Je veux dire, quand tu regardes des assiettes, il y a des couleurs, il y a des formes, c'est là, ça fait partie de ça. Mais quand on a commencé à jouer à la musique, on n'aurait jamais pensé un jour travailler dans un restaurant comme ça. Ça, c'est sûr. Nous, on voulait devenir des stars. Hein? On est devenus des stars de la cuisine. On faisait ça chez eux, la charcuterie, avant qu'on aille dans la casie. Il y a capotait des fois. On faisait ça toute la soirée. Les premières batches qu'on a fait, là, c'était, comme Alexandre disait, c'était dans la maison chez nous. Puis là, mais tu essaies de t'imaginer, là, je dois être le seul gars que sa blonde laissait avoir autant de viande macérée dans la maison. Là, là on avait une chambre d'amis. Là, on avait tout fait des crochets au plafond. Puis là, on laissait... L'hiver, on laissait un petit peu la fenêtre ouverte avec un ventilateur pour ramener... Le vent d'Italie. Oui, le vent des montagnes italiennes, là, tu sais. Mais là, on s'installait dans le local, voir ça pile-tu dans les montagnes italiennes. Puis là, mais quand on en faisait, ça a été nos premiers tests, tu sais, d'hiver. Puis là, ben, on en faisait vraiment beaucoup. Mais une fois, là cette action-là, on va le laisser macérer. Je veux dire, puis là, après ça, tu l'accroches, là, il devient une odeur, là. Tu sais, je veux dire, au début, c'est une odeur de viande, là, tu sais. Donc, ouais, au début, c'était pour toi, c'était pour nous, c'était pas pour le restaurant. Ben non, au début, c'était juste pour apprendre. On va se mettre... La bière? Ouais. Il y a l'ail confit, si tu veux. Ouais. En fait, tu pourrais commencer tout de suite à l'écraser. Je vais mettre de l'eau chaude dans le ferment. Et c'est ça, au bout d'un moment, ma blonde est arrivée, puis elle a dit... Je pense que ça a pris 2 ans, là. Elle a dit... Tu trouves un autre temps. Fini. Là, je suis plus capable. Puis là, on peut le sentir. On sent vraiment la bière. Tu sais, l'espèce de côté toffee de la Walker qui est extraordinaire. Là, ça fait mouiller, mais tu sais, la viande va toute le boire. Puis tantôt, ça sera... On va le laisser un petit peu macérer, là, puis... Tu sais, Alexandre, lui, c'est un ami d'enfance. On a commencé à... On s'est rencontrés premièrement. La première fois qu'on s'est vu, c'était en 4e année, à l'école. Puis moi, j'ai changé. On s'est vu, c'est ça, en 4e année, une moitié d'école. Mes parents ont décidé que j'irais au collège. Puis après ça, je suis allé au collège français. C'était à Montréal. On s'est perdu de vue. Puis après, à 14 ans, on s'est recroisés dans un camp de jour. C'est drôle, hein? Puis là, on a fait comme wow. Puis là, on s'est mis à parler Beatles, musique, tu sais, rêve, cabane dans les arbres, tu sais, ah ouais, tu sais.
Puis là, on s'est créé une amitié, puis on s'est jamais lâché depuis ce temps-là. C'est fou, là. Moi, j'ai toujours trippé. Je me suis tout le temps dit que j'avais une petite graine d'italienne dans le mot, tu sais. Je sais pas pourquoi, mais je veux dire, j'ai tout le temps aimé faire semblant de parler en italien, tu sais. Ah, la bella ragazza, ciao, oh, buona notte, tu sais. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps aimé ça. Puis, bon, la gelato, ça allait de soi, c'est italien. Qu'est-ce qui est le fun avec la Corse? C'est que moi, j'ai ça dans mon voyage avant que j'aille pour la charcuterie, mais je me rappelais pas dans mes cours d'histoire qu'il parlait de ça, mais que la Corse a été sous occupation italienne, génoise, en fait, pendant des centaines d'années. Là. Tu sais que c'est pour ça que le Lonzo et la Coppa, qui sont des charcuteries italiennes, se sont romancés, puis c'est leur fierté maintenant, tu sais, qu'ils font les jambons crus, le Lonzo, la Coppa. Puis qu'est-ce qui est vraiment typique à la Corse, que une fois de temps en temps j'en fais, c'est le figatelle. Les autres l'appellent le figatello. C'est une saucisse à griller, semi-séchée. Au bout de deux semaines, ça, c'est fait pour griller. Tu le grilles, là, elle regonfle, puis le fait qu'elle ait séché, elle devient toute croustillante, la peau. Puis là, quand tu le manges, ça fait comme vraiment le... C'est le croustillant, là, par excellence. Là. Dans le film, moi, ça m'a marqué. C'est un film pour enfants, mais Ratatouille, là... Ça m'a tout le temps marqué. Moi, la première fois que je l'ai vu, je pense que je l'ai rewindé six fois. Là. La passe, quand le grand critique, là, Hugo, qui s'appelle, s'en va manger la cuisine du chef, tu sais, de Linguini. Puis là, il s'apprête à y faire comme une mauvaise critique. Puis là, il dit, là, maintenant, je choisis rien, c'est le chef qui décide, puis il fait une ratatouille. Puis quand la plat arrive, probablement, c'est de toute beauté, tu sais. C'est une bande dessinée, là, tu sais, je veux dire, c'est pour les enfants, mais c'est pas grave, tu sais, je veux dire, c'est tellement mal, déjà, c'est bien fait. Quand il apporte la ratatouille sur la table, il fait comme une ratatouille, tu sais, là, en voulant dire, là, le chef me niaise. Puis là, il prend une bouchée, puis là, tu vois le stylo qui tombe, puis là, ça fait comme... Puis là, tu le vois, lui, petit cul. De même, là, puis c'est sa mère qui le serre, puis c'est le souvenir. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse dans ma cuisine. Parce que ça a tout le temps été comme ça. Ça a tout le temps été un petit menu. Tu sais, on n'a pas trois pages. Là. Ce qui est là, là, c'est frais, c'est du moment, tu sais. Puis là, maintenant, bien, là, ça fait plusieurs années, mais aujourd'hui, on ne peut plus venir manger si on n'est pas réservé, là. Tu sais, c'est comme... Mais c'est d'arriver à tenir ce standard-là aussi. C'est ça qui est important. Parce que, tu sais, c'est toujours la même affaire quand eux, ils ont trippé par rapport à l'ambiance, par rapport à... C'est les souvenirs aussi. Les gens qui reviennent après une année, s'ils ne retrouvent pas... C'était le même souvenir-là, pas les mêmes affaires, mais le même côté euphorique, bien, on vient de les perdre. C'est ça le côté le plus important, c'est de garder son standard, que ce soit tout le temps. Tu évolues. Moi, j'évolue culinairement, puis que j'essaie tout le temps de me renouveler. T'sais.